je suis particulièrement heureux de pouvoir vous présenter les premiers résultats d'une recherche que je mène depuis un certain nombre d'années et qui m'a amené à m'intéresser à la diversité des Corans africains, à la fois sous leur aspect matériel, les objets que représentent ces Corans, mais surtout leur composition interne, avec leurs nombreuses sortes de divisions qui sont à l'origine, comme on va le voir, de la majorité des ornementations qui sont liées à ces divisions du Coran. Académia, l'an, tu n'as dit que c'est le mohadarat qui a été créé par le Kunuz, l'islam en Afrique, et d'ailleurs, il y a eu un ma'arid, un ma'arid important, le coul ma ontija, وهي في إطار التعبير عن الجانب الإسلامي في إفريقيا. وهذه المحاضرة أنتم لاحظتوا أنها دراسة المصاحف وكيف كتبت هذه المصاحف وكيف نشرت وكيف يعني فصلت. ولذلك لنا لقاءات أخرى إن شاء الله في الأسبوع المقبل. هناك أستاذة ستحاضر في هذا الميدان وهذا تهيئ الرأي العام والمثقفون لهذا المعرض الذي سيقام في ابتداء السنة المقبلة. Après un examen comparatif d'une trentaine de volumes de Coran africains, je me suis rendu compte qu'il y avait des distinctions importantes et presque systématiques entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Ouest, ça va depuis la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée, en passant par le Mali, le Niger, le Nigeria du Nord, jusqu'au Tchad. Voilà. Là, il y a une frontière, et après le Tchad, c'est-à-dire à partir du Soudan, Éthiopie, Somalie, Kenya, on est en Afrique de l'Est. Donc entre ces deux groupes, il y a des distinctions importantes. La première qui apparaît, c'est au niveau vraiment très physique, très matériel, quoi. Tous les Corans d'Afrique de l'Ouest ont des feuillets séparés. Les feuillets sont empilés les uns sur les autres, et ensuite ils sont mis dans une couverture en cuir, alors qu'en Afrique de l'Est, ils sont reliés. Exactement comme dans le reste du monde musulman, si vous voulez. Voilà. Et il y a également une différence importante. L'Afrique de l'Ouest partage ses Corans en quatre. Et à chaque quart, il y a une décoration. Cette décoration, c'est ou bien un bandeau, un onwan, comme on dit, qui entoure le titre de la sourate, ou bien au contraire, c'est des dessins souvent géométriques qui peuvent occuper une page, ou même deux, ou même parfois trois pages. Et c'est très beau, quoi. Et donc ça intervient à tous les quarts du Coran. Alors en Afrique de l'Est, ça n'existe absolument pas. Les Corans ne sont pas partagés encore. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.